Bienvenue sur Thé Éternel en cette fin du dimanche 20 août 2017, 23h42, 4 hein, c'était. Bon. Vous êtes bien en direct du quatrième éléphant. Ça, c'est les monothéistes. C'est bon. J'ai même le cinquième éléphant, c'est du Luc Tesson. C'était ma cantatrice. Pour dire quoi? Bah que demain c'est lundi, j'ai rendez-vous au CCAS à Gioffredo, avec Vincent, c'est le psy, à 12h45, et après à 14h à l'UDAF, avec Mélanie, qui s'en va aussi bientôt, va me présenter sa remplaçante. C'est une équipe d'acteurs de vie. Il faut que je trouve le papier de l'association. Il faut que j'arrive à ma... faut que j'y arrive. Aujourd'hui, j'ai presque pas bu encore. J'ai presque pas fumé. Parce que ce tabac-là, on m'aurait dit qu'il y avait du parfum ou du détergent. Je sais pas. Ça m'a fait mal à la gorge. Ça me fait comme une angine. Comme si qu'il y avait du détergent ou je sais pas, du produit, tu sais. Ça fait que j'ai craché du sang. C'est peut-être le moment d'arrêter de boire et d'arrêter de fumer aussi. De toute façon, il va y avoir restriction. En attendant que Thé Éternel, ça marche. Ce soir, j'ai regardé presque en entier le film sur... c'était La vie de Claude François. Ouais, ça retraçait bien l'époque, ça retraçait bien. C'était pas mal. À la fin de la deuxième pub, je me suis tiré. C'était pas mal. Bon, il n'y a encore pas la moitié de vérité, vu que moi je suis chercheur de vérité. C'est comme l'histoire à Mike Brandt. La cabale au fond du jardin. Le mec, il jouait bien, Lederman. Je demande à Coluche. Ils m'ont fait le camion. C'est quand même pas de ma faute. Je l'ai pas inventé. Ils ont cloué leur chef. L'argent. L'assurance des tours du 11 septembre, non? Pas rigolo, ça. Et Patrick Devers, une balle dans la tête après 1000 milliards de dollars, non? Pas rigolo, ça. Qu'on arrête de nous prendre que pour un con. La vie sur Terre est une enculerie. Mais j'y arriverai. Sans pognon. Sinon, je m'en fous, je remonte bientôt. Sur Terre, c'est que des escrocs. Tous les mondains de merde, là, les gens à partout avec les narines en or. Hein? Les kilos de coke qui doivent bouger à Saint-Trope, là. Ouf! Doit être ceux de quai des orfèvres. Hein? Enfin, voilà. Voici. Mais le diable, je l'emmerde. Que ce soit clair, net et précis. Les gens à pognon, c'est mal. L'argent, ce serait bien si c'était pour partager un petit peu pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il y en a qui chient sur un chiot en or massif et d'autres qui n'ont toujours pas de papier pour se torcher le cul. D'ailleurs, je viens de rendre mon rapport de combustion à la terre, là. Tu vois? Ils ont cloué leur chef. Et oui, là, en direct. C'est con ce que je vais dire, mais tu verras jamais un juif dans la merde. Ou alors, faut qu'il soit pas croyant. Non, pas croyant. Mais c'était pas mal quand même. Car je suis mal aimé, tout. Moi, je m'en fous. Pas besoin d'être aimé. Pas besoin d'être riche. Pas besoin que ça brille.
Pas besoin de machin à poufias, pas besoin de. Mais quand même, merde. Au moins du bon pinard et du bon tabac, quoi. Je sais pas. Non. Je demande pas d'être riche, moi. Je demande qu'il y a qu'un ou deux morceaux qui marchent, et puis ça va. Mais il n'y a pas de producteur. C'était l'éternel, et puis c'est tout. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Mais c'est pas grave. On va faire une fondation. Il m'a dit, il commence par une association. Wagner, il s'appelle, le mec des associations à Nice. À l'ancien Peugeot à Saint-Roch, en face de Sensas. Les alcooliques non anonymes. Les alcooliques anonymes, ils font tourner la médaille des Illuminati. Et ça m'a énervé. Ça m'a très fort énervé. Je ne suis plus jamais retourné. Sensas, c'est bien. Voilà. Bon, le tout, c'est que je me lève demain. Si les films, ça bloque 10 ans pour envoyer, ça va pas être possible. Heureusement, j'ai fait une bonne sieste. Voilà. Voilà. Inch'Allah, patch et salut. Envoyé spatial pour T'Eternel. De Cattleman. Protestodoxe, bouddhisto-bétain, brahmo cistercien et tout ce que tu veux pour tout le monde. Et tous les jours, on mange le carbu, on chive l'échappement. Il faudrait rétablir à la Werber encore l'ordre des fourmis. On est tous un petit élément, on est tous dépositaires d'une parcelle de l'âme du Seigneur. Il faut marcher ensemble. C'est comme s'il y a 8 milliards d'instruments, ils ne sont pas accordés. Alors, faut accorder un petit peu tout, et puis il faut pas idolâtrer. C'est tout le monde ou personne. Après, avant-hier, j'ai fait un rêve d'inondation. Après le feu, l'inondation. Bon, c'est bizarre. Bon, enfin voilà. On va mettre ça en ligne. Tudu-tudu.